Yo les gens, ici Rafi 76250, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo découverte de FIFA 20. Donc c'est parti. Dans cette vidéo, on va vraiment faire un match de Volta, donc mode Volta Football, donc le FIFA Street, on va dire. Donc c'est parti. On va tester ça, voir ce que ça donne ensemble. Donc moi j'ai fait quelques matchs tout à l'heure, j'en ai fait un ou deux, je crois à peu près. C'est des matchs qui sont en demi-temps, mais c'est le premier qui marque 4 buts, quoi. Qui gagne le match. Donc là, c'est le joueur qu'on incarnera dans ce mode de jeu. Donc il s'appellera. Je sais pas si on va bien voir son nom. Vinicius Junior. Donc ça remplace, pour info, ça remplace le mode The Journée avec Alex Hunter. Mais je pense que ça sera scénarisé aussi également. À mon avis, je pense que oui. Bah après c'est les mêmes textes on va dire, au niveau des textes c'est les mêmes. C'est la même, qu'on appelle ça, police de caractère on va dire. Du coup bah comme je vous dis c'est des matchs en demi-temps, donc je pense que ça va durer comme un match normal. Mais bah c'est le premier arrivé à 4 buts quoi, c'est 3 contre 3 quoi. Et c'est un gardien volant, c'est qu'il n'y a pas de gardien vraiment. C'est un gardien, on peut le sortir et le rendre. Parce que vous voyez la taille du but déjà, c'est les petits buts quoi. Donc c'est parti, hop. Donc là on peut faire des gestes techniques hein, avec le joystick. Donc moi je suis pas très doué. Bon après, je pense qu'on va apprendre ça au fur et à mesure dans le jeu. Hop, premier but déjà. Il était bien celui-là. C'était beau. Tiens, ils font même des trucs comme ça, des gestes. Au ras du sol là. Ouf, c'était belle celle-là. Donc il y avait tout le temps la petite musique au fond. C'est bien, je trouve, c'est bien foutu, je trouve. Ah, raté. Ouh. Oh merde, dommage. Ouh. Oh non, on va se prendre un but. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il a pas tiré au but? Donc on peut jouer avec le mur. Comme vous pouvez voir, regardez. Hop, attends. Vous pouvez faire des passes avec le but, avec le mur. C'est ça qui est bien. Oh dommage. Oh le mec il a même pas marqué quoi, il est à côté de moi et il marque même pas quoi. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire. Oh elle est belle celle-là. Moi je préfère à la limite le football comme ça que le football normal quoi. Je trouve que ça change on va dire. Après peut-être qu'au bout d'un moment on va peut-être en avoir marre mais... Oh dommage, je voulais faire une tonnelette puis qu'il retire derrière. Oh, dommage, je voulais. J'essaie de faire des trucs techniques. Parce que je veux pas. Voilà quoi. J'ai pas envie de gagner le match facilement, on va dire. Je vais essayer de faire un truc bien là.
voyez, vous pouvez jouer à que mur, c'est ça qui est bien, quoi. J'essaie de faire des choses, là, j'essaie de vraiment... Pas construire, mais faire des belles choses, quoi. Oh, trop classe, ça. Oh, dommage. Ah bah je pense que les mi-temps c'est pas aussi long que les autres. Je sais pas c'est combien de temps les mi-temps. Ça n'a pas duré longtemps les mi-temps. Ils mettent pas au niveau temps. 2 minutes la mi-temps. Ouais, ça a duré 2 minutes à mon avis. Ça dure pas longtemps. Oh, je voulais tirer là. Non, c'est pas encore pris de but tout à l'heure, c'est pareil quand j'avais fait mon premier essai là de. Ouh, le but gag. La chance. C'était beau ce but. Belle reprise de volée là. Donc, je vais vous remontrer l'action. Boum! C'était beau ce but là. Pff. Oh merde! Non! On va essayer de mettre le dernier but, voilà. Voilà, on a gagné. Donc, c'est le premier à 4. Donc, c'est en demi-temps, mais le premier à 4. Donc, même si Baron vous marquez 4 buts à première mi-temps, vous gagnez le match. Après, je pense que ça pourra se régler. Peut-être que vous pouvez peut-être mettre 4, 5, 6 buts, quoi. Je pense qu'après, dans le réglage, on peut régler. Peut-être mettre 10 buts, vous voyez. Peut-être mettre 10. On va dire. 5-6 buts, c'est bien, quoi. Comme ça, au moins, ça fait des petits matchs, quand même. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère que cette deuxième partie de la présentation de la démo de FIFA 20 vous aura plu. Moi, je vous dis prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Subscribe, portez-vous bien. Peace.